Bonjour à tous, alors voici une nouvelle vidéo un peu différente des autres. On va parler de Gedome bien sûr, mais aussi d'un tuto pour faire soi-même un Ambilight. Donc Ambilight c'est quoi? C'est, vous savez, les téléphilips, elles ont des petites LED derrière qui éclairent le mur, qui vous permet d'élargir un peu votre télé indirectement. C'est plutôt pas mal, c'est assez reposant au niveau des yeux, ça fatigue moins. Et voilà, sauf que la solution Philips coûte quand même assez cher. Il existe des kits tout faits, mais qui sont aussi assez chers. Par contre, l'avantage, c'est que c'est optimisé dans une boîte. Hein, donc après, c'est à vous de voir. Forcément, c'est un peu plus beau. Je sais que sur les sites chinois, il existe des kits tout faits, jamais testés. Là, je vais vous montrer comment le faire soi-même. C'est assez sympa. Et puis, c'est le plaisir de faire soi-même. Donc voilà. Donc moi, j'ai choisi une bande LED avec 72 LED par mètre. Il existe des 60 LED par mètre. Il existe aussi des 30 LED par mètre. Pourquoi 72? C'est un choix personnel. Hein. Vous pouvez même prendre 96 LED par mètre. Après, il va falloir arriver à souder. Donc, moins vous êtes à l'aise avec la soudure, mieux il faut prendre les petites dimensions. Après, 30 LED par mètre, ça commence à faire pas beaucoup quand même. Hein. Donc, prenez au moins. Moi, je vous conseille au moins du 60 LED par mètre pour avoir un rendu assez sympa. Il y a des vidéos comparatives là, sur YouTube. Entre des 30, 60, 72 et 96 LED par mètre. Donc moi j'ai une 72 LED par mètre de type APA 102. Il existe aussi des LED de type W28 quelque chose. Donc c'est des choix personnels. Hein. Les APA 102 sont de meilleure qualité, c'est les meilleures qualités de LED. Voilà, après c'est des choix personnels. La bande, elle coûte à peu près, je sais plus, je vous dirais, mais dans les 50-60 euros, je pense, la bande de 5 mètres. Donc, mais je vous mettrai tout ça en description. Donc, il me faut ma bande LED. OK. Ensuite, il me faut une alimentation pour mes LED. Donc là, c'est une alimentation en 5 volts, 20 ampères. Donc, pourquoi 20 ampères? Parce qu'il faut à peu près 0,60, il faut 60 milliampères, pardon, par LED. Donc, moi, j'ai à peu près 280 LED. Ça m'a amené à 13 ampères à peu près, 13-14 ampères je crois si mes souvenirs sont bons. Donc au début j'avais acheté ce type de transformateur, donc en 10 ampères, ok, ça n'a pas tenu longtemps, peut-être parce que c'était assez court, après c'est du chinois, donc je sais pas trop, mais ça coûte 13 euros. Donc c'est pas mal, si vous utilisez ce type de transformateur là, il faudra acheter aussi un petit piton pour le raccorder. Donc là, vous mettez sur votre transfo et là, sur votre plus et moins de la machine. Voilà. Sinon, vous prenez, en cas de souci, s'il vous faut 20 ampères, vous prenez en prendre deux comme ça et en brancher un de chaque côté de votre. Vous avez une allume là, une allume là, donc de chaque côté de votre bande. Ça se fait aussi. Si vous avez besoin de 20 ampères, vous en prenez deux de 10. Après, le plus simple, ça reste de prendre une alimentation comme ça. Donc ça, c'est une 5 volts. Donc ça prend du 220 et ça ressort pardon, en 5 volts 20 ampères. Donc vous branchez un petit câble dessus sur la phase de neutre et la terre. Ensuite, vous branchez donc votre alimentation. Là, vous avez deux ports comme donc négatif en gros et deux plus. Donc le commun, j'ai branché le commun de la LED et un fil du pont. Fil du pont, vous aurez besoin de fil du pont comme ça. C'est plus simple pour brancher. Donc un fil du pont, le fil commun pardon, de la bande LED et le fil plus et c'est tout. Ensuite, il vous faudra deux autres fils du pont. Donc un qui sera branché donc, sur la bande LED. Donc les deux sont branchés sur la bande LED, sur les fils data et clock. Et ensuite, ils seront branchés sur votre Raspberry. Je reviendrai sur les branchements du Raspberry. Donc quand je vous ai dit au niveau des LED, donc voilà, bon, moi j'ai soudé. Si vous voulez, vous pouvez ne pas souder. Ici, il existe des petits raccords d'angle qui sont comme ça. Franchement, moi j'ai essayé, j'ai eu plein de problèmes. Donc à vous de voir. C'est vous qui voyez. Faites attention parce que là, je sais pas si on voit. Et vous voyez, donc ceux-là, ils sont bien parce que c'est bien les RGB plus de chaque côté. Sauf qu'il y en a des fois qui sont inversés. Donc en gros, pensez bien à ça, parce que votre bande LED, elle va que dans un sens. Votre bande LED, elle va dans le sens de la flèche. Je sais pas si on la voit bien là. Voilà, vous avez une flèche, donc votre bande LED, elle va dans ce sens-là tout le temps. Il faudra tout le temps la mettre dans ce sens-là.
Donc voilà, ça c'est la bande LED. Donc moi j'ai fait des soudures, un choix personnel. Je vous conseille de faire des soudures aussi, même si vous n'êtes pas très bon soudeur, il n'y a pas besoin d'être très bon soudeur. Je vais revenir sur un plan général de l'install. Donc on a dit la bande LED, le transformateur. Voilà. La bande LED, le transformateur. Ensuite, au niveau des LED, ça sera tout. Maintenant, on va parler donc du Raspberry. Forcément, il vous faut un Raspberry. Derrière, il vous faut un grabeur USB. Donc, le chipset recommandé, c'est UTV007. Donc, faites bien attention. Il est reconnu automatiquement par Raspbian. Et puis, en plus, c'est celui qui marche le plus facilement avec Hyperion. Donc, n'hésitez pas. Un câble AVA jaune, impeccable, avec un HDMI tout AV. Donc, c'est... On rentre de l'HDMI et on ressort de du signal vidéo avec l'audio, etc. Donc ça, c'est utile si vous voulez copier d'autres infos. Hein. C'est du matériel pour faire des captures de VHS, etc. Donc c'est du vieux matos. Donc voilà. Ensuite, de là, donc vous allez sur la sortie. Donc le récepteur que vous voulez envoyer sur votre Raspberry. Donc moi, là, ici, j'ai mis un switch avec deux entrées. Deux sorties. Donc j'ai bien une sortie qui va vers HDMI tout AV et qui lui va renvoyer le signal sur la clé USB qui va être traitée par le Raspberry et qui va pouvoir afficher les couleurs. Et j'ai une sortie qui va vers mon écran qui se situe ici. Voilà. Ensuite deux entrées. Pourquoi ? Donc là moi j'ai fait rentrer le Raspberry et la Mi Box. Le Raspberry vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le mettre directement sur votre télé si vous voulez. Mettre autre chose là c'est juste parce que j'ai qu'un écran. Mais le Raspberry, lui, traitera automatiquement son image. Il ne passera pas par le grabber USB. Si vous voulez juste traiter votre image de votre Raspberry, pour par exemple si vous utilisez Kodi ou OpenELEC ou un truc comme ça, vous n'avez pas besoin de grabber. Vous avez juste besoin de ça. Voilà. Le grabber, c'est juste pour avoir du multisource ou faire venir une source extérieure. Attention sur les switches, donc il y a de tout, hein, il y a de toutes les qualités. Moi, je me suis arrêté au 1080p 3D. Vous pouvez en avoir en 4K aussi. Voilà. Ça, je peaufinerai. Si vous avez juste une seule source, vous n'êtes pas obligé d'avoir un switch. Donc, ce que vous pouvez, c'est avoir un splitter. Un splitter, c'est quoi ? C'est vous rentrez un HDMI, donc votre signal de, je sais pas, de votre lecteur Blu-ray, par exemple. Hop. Vous le rentrez ici et vous le ressortez en deux signaux. Donc un signal qui va vers votre écran et un signal qui va vers votre HDMI switch, vers votre HDMI pardon tout AV. Donc voilà, ça c'est pour l'installation. Maintenant au niveau des branchements, donc vous avez vu, regardez bien le nombre de LED que vous avez sur votre cadre. De chaque côté, on en aura besoin pour les réglages avant de le poser. Moi, j'ai mis un cadre en bois. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre sur des baguettes plastiques blanches. Vous pouvez le coller directement à votre télé, sauf que la télé, bah, ça chauffe un peu et souvent, ça a tendance à se décoller. Donc, à vous de voir. Ce sont des choix personnels. Au niveau des branchements, donc je vous ai dit, la lime de votre 220 dessus. Ensuite, la lime plus et moins de votre LED, plus un fil commun qui sortira, qui lui ira au Raspberry. Donc sur le Raspberry, je vous mettrai la petite image, mais en gros, sur le Raspberry, hop, je vais essayer de voir un truc un peu propre. Ok, bon, sur le Raspberry, je vous mettrai sur l'image, sur la vidéo. On passe sur la pinoche 3, ici, en partant du bas, en bas à gauche, donc en bas à droite, pardon, sur la pinoche, donc la troisième pinoche. Et ensuite, ici, on mettra la data sur la 10e pinoche et le clock sur la 12e pinoche. Donc voilà, ça c'est un peu, c'est tout pour l'installation. On passe maintenant à la configuration. Allez, donc nous voilà maintenant pour la configuration. Donc le but, ça va être de télécharger donc Hyperion Connect. Voilà, donc on tape Hyperion. On va aller directement à les annonces officielles, je crois, ou Download peut-être directement. Voilà, Download Hypercon, pardon. Donc voilà, hop. Donc là, ici, ils vous disent... Alors moi, je suis sous Linux. Donc sous Linux, il faut d'abord installer OpenJDK. Donc là, c'est la 8 actuellement. Hein.
Donc ouais, c'est pas le jour. Et ensuite après vous téléchargez Hyperion, voilà. Donc ça après ça c'est comme vous voulez. Moi je suis donc sous Linux, voilà. Sous Windows, de toute façon vous téléchargez, hop, vous téléchargez Hyperion. Donc moi je l'ai déjà, ok. Annulé, hop. Maintenant je vais ouvrir ici. Donc Hyperion, je le lance. Donc Hyperion, ça c'est le logiciel Hypercode. Donc ici on va d'abord faire un fichier de sauvegarde où on va configurer notre image et ensuite derrière on enverra le fichier sur le Raspberry. Donc vous allez sur l'onglet SSH, on se connecte à notre Raspberry. Donc pour ça il faut l'allumer. Donc les utilisateurs, donc moi c'est bien un système Raspbian. Si vous utilisez OpenELEC, vous allez sur OpenELEC. Voilà, moi c'est Raspbian. Donc j'ai bien mon port 22, c'est pas ça. Mon utilisateur CPI, mon mot de passe, c'est mon mot de passe. Par défaut, sinon c'est Raspberry. Voilà, on se connecte. Donc là, vous faites, une fois connecté, vous voyez, il vous met le truc disconnect. Vous faites install update Hyperion. Donc là, il vous met un message comme quoi, attention, ça peut prendre du temps, vous inquiétez pas. Hop. Et là, vous avez un petit onglet SSH qui s'ouvre. Et vous allez voir, ça prend un petit peu de temps, mais rien de bien méchant. Donc là, vous voyez, hop, on a installation, hop. Donc là, il n'a pas redémarré parce que il n'y a pas besoin de redémarrer. Parce que quand on active les ports GPIO, il y a besoin de redémarrer. Ok, donc là, on est connecté. Maintenant, on va aller dans l'onglet Hardware. Donc sur l'onglet Hardware, on met le nom de la configuration qu'on veut, le type de bande. Donc vous avez APA 102, vous voyez, c'est ce que je vous disais, WS28, pardon, c'était pas WB, WS2812, 2801, voilà. C'est les meilleurs en rapport qualité-prix, c'est les meilleurs. Après, les meilleurs en LED, c'est les APA 102. Ici, vous laissez par défaut au niveau de l'output. Et au niveau du baud rate, vous laissez pareil à 1 million, ça par défaut. Le RGB byte order. Donc là, par défaut, il est sur RGB. Maintenant, laissez-le par défaut et vous verrez si vous avez des, par exemple, du bleu qui s'affiche à la place du rouge, c'est que vous êtes dans un BRG ou dans un BGR. Donc après, c'est à vous de voir. Voilà. Là, vous laissez par défaut. On va. Ensuite, la construction, on s'en fout. La direction. Dans la construction, ce qui nous intéresse, c'est comment est mise votre bande LED. Donc là, la question, c'est vous mettez votre bandeau comme s'il était derrière la télé, et en regardant votre télé en face, comment sont les petites flèches que je vous ai montrées sur votre bande LED. Donc là, moi, actuellement, je l'ai mis en sens inverse des aiguilles d'une montre parce que je la mets face à ma télé pour vous montrer l'écran. Donc voilà. Donc j'ai mis counter clockwise. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre et clockwise c'est sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, le nombre de LED. Donc ça, il faut les compter avant de poser sur votre télé parce que sinon c'est pas évident à compter. Donc moi j'ai 89 LED à l'horizontale. J'ai 50 LED de chaque côté, donc droite et gauche, gauche et droite. Et le bottom gate, c'est la différence entre votre bande du haut et votre bande du bas. Donc si votre bande du haut a 89 LED et que votre bande du bas a 89 LED, ça fait un bottom gate de 0. Si votre bande du haut a 89 LED et votre bande du bas a 80 LED, alors ça vous fait un bottom gate de 9. Voilà, donc c'est bien la différence entre votre bande du haut et votre bande du bas. Normalement, il n'y a pas de raison que votre bande du bas ait plus de LED que votre bande du haut. Moi, j'ai réussi à mettre autant de LED, donc voilà. Et ensuite, ça c'est votre première LED de départ. Donc au début, elle est sur 0. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez toute votre configuration qui se fait ici. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, etc. Plus 89, plus 50, plus 89. Maintenant, moi je sais que ma bande, elle commence à peu près par là. Donc je récupère cette information. Donc le mieux, le plus facile, c'est de compter le nombre de LED. Moi, vu que je sais que c'est par là, c'est de compter le nombre de LED que j'ai là. Donc, je sais que j'en ai 17. Et de faire 50 plus 89 moins 17. Et donc, ça me donne 122. Voilà. Et là, maintenant, il vous reconfigure. Donc, il m'a bien mis ma bande 0 ici. OK?
L'image process, j'ai laissé par défaut, si mes souvenirs sont bons, je vérifie, mais pour moi, j'ai laissé par défaut. Donc l'image process, tout ce qui est horizontal, là c'est la largeur des bandes horizontales d'analyse, donc en gros c'est combien de pourcentage de l'image il va prendre pour faire sa couleur en fait. Donc là, 8, ça c'est des valeurs données dans différents tutos. Donc là j'ai mis 8, 4 ici, 0, 0 là, ok. Donc ça c'est pour les horizontal gape et vertical gape, c'est si les zones doivent être décalées du bord. Voilà, bon là moi je fais comme si c'était un plein écran, donc on met 0, 0. L'overlap. Alors l'overlap c'est le chevauchement des zones de détection pour avoir une transition un peu plus lisse. J'ai mis 0, il y a certains sites qui conseillent 20, donc surtout OpenDomotech, moi j'ai suivi son tuto, donc on va mettre 20%. Et après Blackboard Detection, donc ça c'est on coche pour ignorer les bandes noires des films. Voilà, ça évitera qu'il... Donc, vous cochez et après, on sauvegarde. Donc là, je sauvegarde, hop. Donc là, il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer. Ok, j'ai mis... ok, hop. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Ok, hop. Ensuite, on va dans l'onglet Process. Donc dans l'onglet Process, pas grand-chose d'intéressant. On coche Smoothing. Ça, ça permet d'agir sur la vitesse de transition pour les changements de couleur. Par défaut, il est à 200. Si vous voyez un retard, vous pouvez le descendre à 100. Voilà, plus vous le descendez, plus il ira vite. Voilà. Bon, vous pouvez. Moi, je vais remettre 200 là, conformément au par défaut. Après, texte, ça c'est bon, pardon. Hop. Ensuite, tout le reste, on laisse comme ça. Color Calibration, on laisse aussi comme ça. Transform, on laisse comme ça. On laisse tout par défaut. Hop, on sauvegarde. Hop, pareil. Vous pouvez tout sauvegarder à la fin. Hein. Ça, c'est des vieux tics pour éviter de perdre. Ensuite, on va dans l'onglet Grabber. Si vous n'utilisez pas le Raspberry pour lire des vidéos, vous pouvez décocher l'internal. Donc ça, c'est le Grabber interne. Donc ça, on s'en fout. C'est voilà. Et vous utilisez que votre grabber externe qui est là. Si vous utilisez les deux, donc là on va utiliser les deux. Bon, bon je vais laisser en 720 par 176, c'est pas très grave. Priority channel, c'est là où il y a, où c'est important parce que donc si la valeur est moins grande que celle-là, ça veut dire qu'en priorité il traitera l'image d'ici. Si je mets 895 là et 890 là, il traitera en priorité le grabber externe. Ok, donc c'est soit 890 soit 895, donc moi je vais laisser 890 là, donc là c'est à dire qu'il va traiter en priorité l'image du grabber interne, donc du Raspberry. Ce sera un choix, moi je le désactive hein, je l'utilise pas hein, donc le Raspberry que j'ai là il me sert pour faire l'ambilight et servir de Raspberry pour mon design de G-Dome et une antenne Bluetooth. Donc voilà, hop, donc ça on laisse comme ça. Là je vais le laisser pour la démo. Ensuite, une fois que tout ça vous laissez tout par défaut, vous mettez juste ici ce que vous pouvez. Donc je pensais pouvoir mettre, mais je pense qu'on est bloqué. On est bloqué, je sais pas pourquoi. Bon, je regarderai plus tard. Ensuite, votre grabber externe. Donc votre grabber externe, il est bien sûr dev vidéo 0 et après vous laissez tout par défaut. Toutes les valeurs par défaut, ils sont il n'y a pas vraiment. Donc bien changer PAL ou CCAM, bon normalement vous êtes en PAL. Hein. Et ici 3 modes 3D. Donc soit vous mettez en 3D, moi je laisse en 2D. OK. Ça c'est bon. Priority channel, on en a parlé. Le crop left right top et bottom. Ça va permettre de régler après en fonction de l'image que vous avez ici, on verra après. Donc voilà, ça c'est bon.
On sauvegarde. Hop. On enregistre. Hop. OK. Maintenant, externe, je vous passe les détails parce que vous laissez tout par défaut. C'est si vous utilisez d'autres systèmes. Donc là, pour l'instant, on laisse par défaut. Donc, on retourne sur notre onglet SSH. Donc, on a bien installé notre truc maintenant. On fait local config patch. Donc, hop, moi, il est bien dans cet endroit-là. Et ensuite, on fait send configuration. Donc là, il vous remet le truc, ok. Il a bien mis source machin vers source truc bidule truc chouette, ok. Ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on stop et on redémarre. Donc là, vous voyez, hop, vous avez un bel arc-en-ciel qui se fait. Déjà, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tout marche bien. Donc maintenant, moi, je vais me reconnecter. Donc, je vais me connecter via VNC sur mon Pi. Donc là, voilà. Donc là, en gros, il a redémarré. Il a adapté son image à ce que j'ai sur mon Pi. Ok. Donc, c'est mon design. Je vais quitter mon design. Maintenant, je vais aller ouvrir. J'avais mis une vidéo dans les favoris. Là, il change les couleurs en fonction de l'image. Donc là, on voit bien que j'ai bien un problème de couleur. Hein. Vous voyez bien que j'ai du rouge en haut qui n'a rien à faire ici. Donc ça, c'est dans les paramètres, comme je vous disais, les paramètres hop, dans l'ordinateur, dans les paramètres RGB. Donc il faudra changer et renvoyer le fichier de config. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer. Vous avez vu, ça marche. Maintenant, si je veux changer de source, hop. Donc là, je change de source. Le gros avantage que j'ai, c'est que vu que j'ai un switch, dans tous les cas, il va changer de source parce que mon Ambilight, mon Raspberry passe par mon switch. Si mon Raspberry était branché directement à la télé, c'était toujours la lumière du Raspberry qui marchait parce que j'ai mis en priorité le grabbar interne. Donc là, j'ai un problème avec mon image de ma Mi Box. Elle est violette. Et donc bah là vous voyez pareil hein, qu'il y a un problème de couleur, donc ça je vais le changer. Donc voilà, mais l'avantage c'est que ça change automatiquement. Donc nous voilà de retour sur la configuration bureau. Donc ici, comme j'ai dit, j'ai besoin de changer. Bon là je vais le faire. Là c'était juste pour le test, hein, donc je vais pas le changer. Mais en gros maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de savoir? C'est comment marche votre grabber. Donc vous venez ici, vous faites tac grabber screenshot. Ça vous permettra en plus de rentrer les valeurs de crop left, right et top bottom. Donc là, vous voyez, donc l'image est très mauvaise. Je pense que c'est mon grabber qui est un peu, qui est pas très beau. Et donc, je pense que je vais le changer. Après, c'est des grabbers, ça coûte 8 euros, hein, les grabbers. Donc, je pense que ça mérite peut-être un grabber de meilleure qualité. Il existe une autre solution qui vous évite d'avoir un switch. Le grabber est obligatoire. C'est d'avoir, si vous avez une prise Peritel sur votre télé, c'est de mettre une Peritel avec possibilité d'entrée-sortie. Et dans ce cas-là, ça vous enlève l'HDMI 2AV qui sert à rien. Donc voilà. Donc vous voyez, la capture d'écran, elle est très moche. Donc forcément, lui, il reproduit par rapport à ça. Vous voyez toutes ces bandes noires ici, là? Bah ça, vous pouvez les changer avec en réglant les crop buttons, etc. Donc, juste pour vous montrer, on va mettre 10. Je sais pas. Et là, faut refaire tech grabber image. Donc là, j'ai joué sur ceux de droite. Vous voyez, hop, ça les coupe. Donc si je mets 20, 1. Voilà, donc ça après c'est à vous en fonction de votre image de pouvoir la parce que lui forcément il va prendre ça, il le prend pour faire ses lumières, donc forcément. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre dessus? On va passer à la dernière étape qui est de domotiser donc via le Raspberry. Donc voilà, je ferme, c'est bon. Je vous mets, voilà, la petite image que vous voyez ici. Donc, vous voyez bien que le data
qui est bien sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur la 10e, et le clock qui est sur la 12e, le ground qui est sur la... Voilà, ça c'est votre schéma. Ok, donc ça vient d'OpenDomotech, hein. Donc deux sites très intéressants pour ça. Donc le tuto, vous l'avez en mode écrit ici, sur OpenDomotech, qui a été fait par Zacharia, qui est plutôt bien fait. Il y a pas mal d'infos aussi dans tous les commentaires derrière. Il y a beaucoup de commentaires aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à voir. Et un autre site qui, lui, donc, existe toujours, mais qui n'est plus du tout mis à jour, mais ça bouge très peu, c'est Ambimode. Donc là, vous avez tous les différents types d'installations. Donc là, n'hésitez pas. Vous avez même de quoi le faire en Wi-Fi, etc. Donc, ça vaut le coup d'être vu. Vous avez les infos sur les LED, etc., etc. Allez, donc, on se connecte à notre G-Dome. Parce que le but, c'est quand même de domotiser ça. Donc, on se connecte à notre G-Dome. Hop. On va dans la gestion des plugins, sur le market. Et là, donc, on cherche le plugin Ambilight. Il est gratuit. Voilà. Hop. Donc, on installe la version stable. Une fois installé, on va dedans. Comment on fait après? Hop, on l'active. Ensuite, on va plugin multimédia Ambilight. Là, vous faites ajouter. Nom de l'équipement, vous mettez ce que vous voulez. Hop. Vous mettez où vous voulez. On l'active, on le rend visible. Je vais le mettre dans test. Ici, vous mettez son adresse IP, donc moi je la connais. Donc le but, c'est d'avoir une adresse IP fixe, hein, parce que sinon il vous reviendra pas dessus. Voilà. Le port, vous laissez par défaut. On va mettre en multimédia et lumière. Hop, hop. On sauvegarde. Et vous avez toutes vos infos de commande. Donc ça, c'est des enchaînements de lumière que vous pouvez mettre automatiquement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre donc une prise connectée. Osran sur l'alimentation, ça évitera qu'elle tourne en permanence sur votre alimentation. Comme ça, vous pouvez ici sur le truc off, sur la commande off, pardon, vous pouvez action à faire, tac tac tac, action à faire avant la commande, bah vous, enfin après la commande, pardon, vous faites ajouter et vous faites prise off après la commande. Et quand vous mettez en route, vous pouvez faire pareil. Donc sur la commande couleur par exemple, ou sur une autre, après ou remise à zéro, si vous voulez, vous pouvez faire juste avant on, allumer la prise Ambilight, ou vous pouvez la mettre dans un scénario. Donc une fois qu'on l'a réglé, on sauvegarde. On va ensuite donc dans G-Dome test. Et là, normalement, si je fais sur off, il s'éteint bien. Voilà, vous voyez pas, mais voilà. Si je mets couleur, il m'affiche des couleurs, etc. Donc. Long, voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Il va être assez long, hein, dans l'ensemble, mais c'était la partie montage et la partie domotique. Il existe aussi une application qui s'appelle Hyperion sur Android que je vous conseille aussi. Ça vous permet depuis votre téléphone de pouvoir mettre des effets aussi. Donc voilà, et de calibrer les couleurs. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie et on se dit à la prochaine. Si vous voulez des tutos, si vous voulez aussi peut-être dans ce type de tutoriel, n'hésitez pas à me donner des avis sur ce type de tutoriel. Est-ce que vous préférez que je fasse une partie montage et une partie domotisation sur deux vidéos distinctes, pardon, ou alors tout sur une vidéo comme ça.